Bonjour. Alors, une carte sur un feu d'artifice. Oui, parce que le 1er janvier de cette année, on n'a pas eu droit au feu d'artifice sur l'Arc de Triomphe. Hein, à Paris, il n'y a pas eu de feu d'artifice. Donc j'espère que pour le 14 juillet, il y en aura un. Je ne peux pas le savoir parce que cette vidéo, je la fais en avance. Mais bon, moi, s'il n'y en a pas, bah, tant pis, j'aurais fait le mien. Je vais vous faire voir. En plus, comment on se sert d'un cache? Comment on fait un cache et voilà, qu'est-ce que ça sert à quoi? Donc, vous avez vu, j'ai mis les tampons qu'on a, les encres, pardon, qu'on a eues à Action parce que je trouvais que les couleurs étaient très pétantes, donc elles me plaisent beaucoup. Donc, il vous faut bien sûr, moi, j'ai pas de dies de Tour Eiffel. J'aurais préféré avoir un dies de Tour Eiffel, mais j'en ai pas. Donc du coup, j'ai fait un tamponnage de la tour Eiffel, hop, ici sur la carte. Une carte basique, hein, voilà, une carte qui s'ouvre comme ça, voilà, toute bête. D'ailleurs, derrière, elle est tachée, je ne sais pas ce que c'est comment j'ai fait ça, mais enfin bon, voilà, c'est pour vous montrer. Et puis, je vais retamponner sur une chute de papier ou un brouillon, n'importe quoi. Je vais retamponner la tour Eiffel avec n'importe quelle encre, on s'en fiche. Là, je vais prendre une encre vintage. Distress, encre vieillie, ouais, c'est la... Ouais, la brique. Voilà. Bon, bref, on s'en fiche. Si elle n'est pas tamponnée, on s'en fiche aussi. On se fiche de tout, en fait. Je rigole. Toujours mon petit chiffon. Donc après, ben, on va découper tout le tour comme il faut. Ici, je vais évider avec mon cutter. Ici, voilà, je vais évider ici. Je vois que là, il y a un espace. Donc vous faites comme ça. Hein. Voilà, vous évidez, vous évidez. Ici, vous découpez et vous obtenez. Tadam! Ceci. Une tour Eiffel, encore une autre. Et c'est cette tour Eiffel que je vais coller avec du double face derrière, enfin du papier, du scotch comme ça, voilà. Vous savez, ce scotch qui se déchire facilement et qui colle pas trop, qui arrache pas trop le papier, que je me sers pour coller mes dies d'ailleurs dans la BitShot. Voilà, je vais le mettre parfaitement là-dessus. Voilà. Hop, hop, hop. Je prends mon tampon que j'ai eu à AliExpress sur les feux d'artifice. Je vais prendre celui-là. Voilà, je l'ai mis là. Et vous avez compris, je vais tamponner mes feux d'artifice. Alors là, bon, je vais faire ici. Là, on va faire un autre orange. Pendant que je suis orange, on va en faire un autre. En faire plus bas, tiens, pourquoi pas ici. Voilà, toujours mon petit chiffon qui est à côté de moi qui me quitte pas. Voilà, on va faire du vert. Voilà, on va faire deux verts hein, pendant qu'on y est. Allez, on va faire un autre verre ici. Soyons fous. Voilà. Je vais faire du violet. Voilà, couleur que j'affectionne particulièrement. Ah, ça pète, hein? C'est moi qui vous le dis, hein? Ça fait beaucoup de bruit, j'imagine, hein, tous ces feux-là. Voilà, mettre là celui-là. Voilà, j'appuie quand même fortement hein, dessus le tampon. Et j'aurais dû changer un peu, on a toujours les mêmes trucs là. Je vais en prendre un autre, je vais prendre celui-là. Allez hop, viens là toi. On va faire du jaune. Voilà, ça changerait un peu. Toujours les mêmes formes. Voilà.
On va faire un autre jaune. Et voilà. Regardez. C'est pas... Ça pète, hein, c'est moi qui vous le dis, ça pète. Voilà. Bon, s'il n'y aura pas de feu d'artifice pour le 14 juillet, j'aurai le mien. Donc, vous allez voir, quand je vais enlever le cache, c'est ça qui est agréable, c'est que, voilà, vous avez, voilà, l'effet que ça fait. Et là, je vais coller quelques brillants. Si vous avez des sequins argentés, ce serait pas mal. J'en ai pas, donc je vais prendre des petits trucs comme ça. Je vais les mettre un petit peu par là, au milieu. Je ne sais pas si ça colle bien. Il faudrait peut-être que je mette de la colle. Voilà. Avec un petit sentiment, je ne sais pas, c'est la fête. Je ne sais pas ce que j'ai comme tampon. Voilà. Là, il y en a encore un. Ici. Voilà, ma petite carte, ouais, ça tient pas, faut que je mette de la colle. Ma petite carte d'artifice, j'avais fait une autre, sans faire tout ça, mais j'avais fait avec d'autres tampons, notamment celui-là, là, j'aime bien, je sais pas, c'est lequel celui-là, ah oui, c'est celui-là. Voilà, donc j'ai fait ma carte feu d'artifice, je vais mettre peut-être un petit sentiment, y coller mes sequins parce qu'ils tiennent pas là. Et voilà, donc c'est tout ce que je voulais vous montrer, ma petite idée de faire une carte sur un feu d'artifice. Ça change un peu, on n'en fait jamais. Et là, c'est pour ça que j'avais commandé ces tampons. Je trouvais que ça changeait un peu original. Voilà, je vous fais de gros bisous, je vous dis à une prochaine vidéo. Amusez-vous bien, ciao.